Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente, une fois par semaine, un nouvel album. Progressif, post-rock, metal, pop, rock, ici, pas de frontières. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour frères et sœurs. Bienvenue dans la vie des sectes. Aujourd'hui, nous découvrons une nouvelle secte mystérieuse, celle des collapsologues. Ceux qui croient que la fin du monde est proche. J'ai beaucoup tardé à vous parler du dernier collapse pour plusieurs raisons. 1. Je venais de chroniquer Ticket to the Moon lorsque leur CD est arrivé. Et parler de deux albums de post-rock coup sur coup, c'est au-delà de mes forces. 2. Le fourbalias m'a coupé l'herbe sous le pied, alors j'ai boudé. 3. Enfin et surtout, j'attendais l'arrivée du vinyle pour vraiment plonger dedans. Le quatuor instrumental vient de la région grenobloise, véritable pépinière à talent pour la mouvance progressive. Anarch est leur quatrième album depuis 2011. 9 titres pour 53 minutes, sans parler de la phase B de la seconde galette qui propose 3 pièces enregistrées en live en 2018. Le groupe hésite entre metal, post-rock, alternatif et progressif, selon leurs envies. Cette fois, Anarch tend vers un post-rock cinématique progressif, parfois inspiré de Porcupine Tree. La première chose à signaler sur ce vinyle, c'est le pressage de grande qualité doublé d'un mixage très soigné. Rien à voir avec le 45 tours A Song of Death, A Song of Pain de Marcella Bovio, complètement écrété dans les aigus. J'ai eu plus de plaisir à écouter les deux galettes qu'à passer le CD sur la chaîne, sauf peut-être pour la face enregistrée en live qui pâtit d'une prise de son de moindre qualité. Mais étant donné que c'est bonus, je n'allais pas faire la fine bouche. La pochette m'évoque un ruban de Möbius doré, un verre des sables, et éventuellement le conduit de la climatisation de l'appartement de Sam dans le film Brasil de Terry Gilliam. Après, à vous de voir. Bon, honnêtement, je ne pense pas que Julie, l'illustratrice de l'album, ait vraiment songé à ça en réalisant l'artwork. Pardon. Deux ingrédients sonores, cette fois, m'ont beaucoup séduit. L'usage d'orgue dans Anima Anceps et les voix enchevêtrées dans 2 égale 8. Oui, les musiciens, les maths, bof. Avec le titre album, Collapse semble rendre un hommage à Porcupine Tree qui renaissait de ses cendres en 2022. Le groupe joue beaucoup de sa section rythmique, ce qui le rapproche souvent de la bonne à Wilson. Une basse qui dialogue avec la batterie et sur lesquelles les guitares et les claviers brodent sans cesse de superbes canevas. Mais la tendance générale est plutôt cinématique, comme avec le dernier morceau intitulé My Oa. Les morceaux se construisent autour d'un thème principal qui sert de colonne vertébrale à la musique. Parfois, comme dans Yokai ou Belle de Nuit, la musique tourne cependant un petit peu en rond. Cela fait le charme, mais également la faiblesse de ce style musical. Raison pour laquelle j'en écoute à dose homéopathique, même si certains disent que ça ne soigne rien. C'est également une manière d'installer des ambiances sonores confortables dans le salon, avec de temps en temps des montées en puissance qui relancent la machine. Le genre d'album que je vous recommande de ne pas écouter en sourdine. Anarch n'est pas un disque qui tourne en boucle sur ma platine, ne nous mentons pas. Il convient parfaitement à certains moments privilégiés de ma vie, lorsque j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Je vous recommande chaudement, très chaudement, le vinyle, même si vous pouvez l'écouter quand même sur Bandcamp. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. À bientôt, bisous!